Il arrive beaucoup trop tard pour un train. On a quand même tenté au mieux de les faire passer en priorité au niveau des contrôles, mais malgré ça, ils ont quand même raté leur train. Énervé, monsieur a tenu des propos qui étaient les suivants, c'est une boîte de merde, c'est un pays de merde, et en plus, on n'est servi que par des immigrés. Sur le coup, on a été surpris. C'est arrêté sur les couleurs et sur nos yeux, hein, sur nos traits, pour nous traiter de plus ou moins d'immigrés. Nous ne sommes pas étrangers, nous sommes tous français, je tiens à le préciser. C'était méchant. Vous avez réagi comment, vous? Ben, on est tous restés plus ou moins professionnels dans un premier temps, mais c'est humiliant. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Il y avait eu ces propos qu'il avait tenus à la télé, qui avaient été suivis par des excuses, mais si vous voulez, avec ce qui s'est passé là, ces excuses, pour moi, n'ont aucune valeur. Ce n'est pas des excuses publiques qui changeront quoi que ce soit, nous savons très bien. Vous pliez en 17 pour aider une personne, vous ne demandez rien en retour, mais quand on vous donne ça, c'est dégoûtant.